Bon, alors, messieurs, bien sûr, j'aurais deux sujets à aborder avec vous. C'était une semaine, hein, vous l'avez noté, mesdames et messieurs, assez... Bon, il y a eu de la surprise, évidemment, on est plutôt contents. Même si la surprise Game Ward Mate n'était pas une surprise si colossale que ça, mais la surprise TDS qui remporte le match contre Bekerog, ça, c'était quand même, bien sûr, un petit événement. Mais en dehors de ça, il faut avouer que c'était une semaine assez mollassonne, mine de rien, en termes d'affiches et de suspense. Généralement, les rencontres ont été dans le sens de l'équipe qui avait le plus de points à l'entrée dans le match. Nonobstant, il faut quand même parler du match de la semaine qui, pour le coup, a été plutôt pas mal choisi entre Gio et BK Rogue. Et donc, du coup, c'est la game de la semaine, c'est la game qu'on vous recommande en termes de visionnage. Peut-être que celle-ci rentre effectivement dans la discussion. Hein. Je parle bien sûr de cette game de Team du Sud contre BK Rogue. Mais quoi qu'il en soit, cette game-là, c'était la meilleure, Tréton, je pense qu'on ne se court pas là-dessus. Bah, en termes de teamfight, elle a été vraiment impressionnante. Le teamfight de fin aussi est très très beau. Il n'est pas gagné jusqu'au bout du côté de Géo. Il y a eu pas mal de très bons plays de 113 avec son Viego. Il y a eu aussi des moments où il a un petit peu de choke. Il y avait de tout, franchement, dans cette game. Les teamfights où le Azir go in un petit peu trop tôt. Il y avait la Talia de Chocolat de Roba. La fameuse. Bah, en vrai, historiquement, je ne pense pas qu'il soit si mauvais que ça. Non, il est même plutôt bon dessus. Il fait une mauvaise semaine, c'est tout. C'est pas ces deux meilleurs games. Après, il y a plein de facteurs extérieurs. Hein, parce qu'actuellement, Talia sur le patch. Vous vous souvenez de ce moment? Bien sûr. Mmh. Il longe le mur. Sixten longe le mur, il n'est pas dans le fog. Et les BK Rogue sont pris la main dans le sac dans la top jungle et se font collapse. Ça, c'est. Pour moi, c'est à deux doigts d'être le move de la semaine, tu vois. Même s'il n'est pas spectaculaire. Mais bah, gros. Mais Sixten, dans les deux games, c'est pas celui qui shine le plus. 800 IQ. Mais il a été vraiment solide. Dans la même game, il y a le team fight où Bukada fait une folie. Et dans la game, la team. Ah, tu veux parler du prochain replay? Ouais, celui qui est topside celui-là. Alors, c'est quoi la folie de Bukada? Explique-moi. Bah, Bukada, il se fait catch. Ouais. Et puis là, il met un ultimate sur 5 personnes. Et du coup, c'est GG. Oh, bravo. Bah, quoi, bravo? Bah, excuse-moi, il est au milieu. Darius le pull dans tous ses teammates, il appuie sur R. Bah, ça, c'est un play super important, beaucoup plus important. Ah, d'accord, ok. Il est ridicule. Bah, quoi? Il a ulti 5 personnes avec Sarel. Même si Zeus est une erreur, ou sinon, tu le mets sur quelqu'un d'autre, le play, si tu veux. Mais... Non, je suis avec toi sur ce coup-là. Mais comment ça? Il a juste appuyé sur R, il était en mêlée par rapport à tous les autres. Ok, bah, les snowcaves sur 5 personnes, ils étaient tous ensemble, et du coup, il a juste appuyé sur R. Mais tu dois positionner ta boule, c'est pas. Il est one-head ou c'est moi? Tu compares une shockwave, on peut dire. Il s'est laissé grab. Non, mais c'est ridicule. Il a bait, il s'est laissé grab. Après, il flash out machin et tout, il y a pas de problème. Zou, tu mets sur quelqu'un d'autre. Oh, il flash out parce qu'il est en 1v5. Non, le go de Bukada est trop bien. Tu ils sont durs avec toi, Tréton. Normalement, d'habitude, c'est justifié. Ah, ils sont un peu durs. Et surtout, il y a Tim. Je dirais juste une chose. La seule personne d'accord avec toi, c'est Noah. Bah ouais. Est-ce que tu devrais pas en tirer des conclusions? Bah non, c'est bien. Il a failli me cracher au visage. Bah non, il pu cracher au visage, tu l'as pas fait, merci. Bah non, il casse depuis 10 ans League of Legends, etc. C'est un expert de League of Legends, une voix de la scène française. Il a oublié qu'il jouait contre Game World, les gentlemen, tout à l'heure. C'est des choses qui arrivent, les trous de mémoire à son âge. Ah, le discours de Tréton change d'une game à une autre. Oui. Je suis ton seul allié sur ce plateau, me lâche pas. Bah ouais, on reste ensemble, mon gars. Bon, quoi qu'il en soit, les deux moves étaient bons, bien sûr. Oui. Juste, moi, j'ai quand même un petit truc pour les jeux de Fog of War. J'adore ça. Je trouve ça vraiment hyper juteux. Bon, il va falloir qu'on sorte une équipe de la semaine. Et je trouve que c'est vraiment pas évident, en vrai. C'est quoi l'équipe qui vous a le plus convaincu cette semaine et pourquoi, les amis? Ça peut être une équipe qui n'est pas, bien sûr, en 2-0. Hein, on ne sait jamais si vous avez l'argumentaire qui va avec. On est preneur. Il y a la Carmine quand même, double outdraft, double fessé, ultra sec, ultra vénère. Il n'y a pas eu de match. Mais il y a un mais. Bah, c'est le planning, c'est ce qu'on disait en off. En gros, il joue contre Vita. Team du Sud viennent de gagner, hein, du coup. Oui, mais bon. Oui, mon vieil. Ça reste des outsiders. Cassé, pour moi, c'est les drafts, quoi. Les drafts sont tellement ouf que. Notamment contre TDS. Il y a aussi le fait que même s'il n'y a que les drafts. Pas que les drafts. Le point majoritaire, c'est qu'ils gagnent et c'est clean de A à Z. Tu vois. Genre BDS, ils gagnent, mais il y a toujours ce fight de fin dans la base où ils n'ont pas envie de la win clean. Et Géo aussi, hein, ils gagnent, mais il y a 20 minutes de mid-game où c'est le sbeul. Après, ce que la KC a fait surtout, c'est ceci. Vous vous en souvenez ou pas? Oui, ouais, l'ultimate de Vladi, ouais. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ils ont claqué un ace à 13 minutes de jeu, c'est ça? Un truc comme ça?
Ouais, ça doit être 10 ouais, minutes. Ça peut être ça. 10, je crois que c'est 13 minutes, un truc comme ça. Bah, après, il y a des petites erreurs chez Vita. Et on peut, hey, c'est à 13 minutes. On peut débattre sur le fait que Vita, actuellement, c'est très dur. C'est peut-être l'équipe la plus en difficulté au vu des attentes que tout le monde pouvait avoir sur eux et ce qu'ils sont en train de proposer. Force aux joueurs, hein, avec le bootcamp et tout, c'est pas complètement fini, mais ça se complique vraiment beaucoup pour les Vita. Mais j'aime bien Géo, moi, juste au passage. Parce que quand même, ils ont un calendrier pas facile. Bah quoi ? Pourquoi tu regardes comme ça ? Ouais, parce que c'est peut-être la première fois de ta vie que t'as voté pour Géo. Bah non, je crois qu'ils ont battu Becker et Solari, qui sur le papier sont quand même des bonnes équipes. Et les games, je trouve que ça joue bien en face. Et ils arrivent quand même à gagner à chaque fois. Alors certes, un peu dans la difficulté, mais en montrant des très bons teamfights. Donc j'aime bien Géo. Parce que le truc, c'est que casser tellement d'estompes. En fait, ça dépend comment tu vois le truc d'équipe de la semaine, quoi. Bah, l'équipe qui était le plus propre et qui s'estompe le mieux. Chacun a son propre barème, tu vois. On est sensible à des choses différentes. Toi, tu vois une réelle qui pressait au milieu de 5 joueurs. Moi, je vois un mind game de Milan sur un Azir en sidewave. Tu vois, c'est pas la même appréciation. Exactement. Après, en vrai, et les deux se respectent. Dans les équipes notables, je pense que Game Ward, c'est pas. Ah, quelqu'un qui en parle, enfin. C'est pas si mauvais que ça non plus comme équipe de la semaine, tu vois. Alors. C'est vrai. Ils font 2-0 aussi. Ils font 2-0 aussi, absolument. C'est leur première 2-0 week. Après, si on met Cassé et Game Ward dans un octogone, je demande le résultat. Après, en BO1, Game Ward, sur les dernières games, montre qu'ils peuvent gagner. Ils ont quand même gagné des bonnes équipes. Hein. Ils ont gagné Mate, ils ont gagné B. Non, mais ils font une bonne semaine. Mate, Solari... Non, mais Triton... Bref. De toute façon, ça n'a rien de débattre avec Triton. J'avoue que Game Ward, pour le côté, c'est la première semaine en 2-0 et le côté inattendu et le côté convaincant des games, surtout aujourd'hui, c'était très bien. Ça peut aussi être Game Ward. Attends, mais combien il y a autant d'équipes en 2-0? Il y en a 4. Parce qu'il y a des équipes qui font 0-2, en gros. Tu vois, c'est comme ça. Il n'y a aucune pitié sur ce plateau, c'est un truc de dingue. Mais du coup, ça veut dire que TDS, c'est la seule équipe à avoir fait 1-1. Alors, il y a 4 équipes en 2-0. Il y a Solari aussi. Mais du coup, c'est logique. Allez, Game Ward, du coup, à mon lâche pas League of Legends, traitons. Hein, parce lâche pas League of Legends, mon pote. Hein, mais lâche pas la solo queue. Tu restreams bientôt, là, parce que... Je vais venir Miss Météo, moi, c'est ça mon délire. Alors, j'ai vu le petit extrait tout à l'heure. Lâche pas LOL. Vraiment. Je réitère. Bon, allez, il faut une team. Allez, traitons, tranche. Tu votes Game Ward, super, c'est tout à ton honneur. Robalas. Cassé, ok. Noix. Cassé. Attends, tu mets Léo, tu l'aurais mis dans la merde, ça aurait été trop. Ok, Chips. Et moi, je vote Géo également. Et donc, nous sommes à égalité Cassé et Géo. Bah non. Non, il y a 2 Géo, 3 Cassé. 3 Géo, 2 Cassé. Bah oui. Qui a dit Géo, Géo, Géo. Et t'as dit Géo, t'as pas dit Cassé. Mais non, Robin, t'as dit. On a dit tous les deux Cassé. T'as dit Cassé Il a dit Cassé. C'est lui qui est con, il croit qu'il avait dit Géo. C'est lui, qui m'a envoyé un mail. Non, c'est lui qui m'a envoyé. Non, mais enfin. Je croyais que t'avais dit Géo. Triton doit trancher entre Cassé ou Géo. Mais Triton est cringe parce que Triton il donne Game Ward. J'ai l'impression que c'est genre la meilleure équipe de la semaine, mais un peu de pitié. C'est un peu de pitié. Si Géo est cassé sur égalité, on dit Game Ward. C'est quoi cette définition de la démocratie? Ouais, Triton décide n'importe quoi. Non, vous savez quoi? On en met deux. Une opinion neutre. Ça n'existe pas. Sam. Sam, toi, l'OTP Kaïssa. T'es plutôt Géo ou plutôt Cassé? Appelle-le par son pseudo. Mais bro, mais il est dans la régie avec Carnage toute la journée. Très cher, aspire au foutre. Il a dit Cassé? Bah oui. Eh bien... Ah, c'est ma Kaïssa, ça. Ah, d'accord. Du coup, Rambo. Il a dit Cassé aussi? Je veux dire Cassé. Pourquoi il n'y a que toi qui parle, Carnage? Pourquoi j'entends Géo en régie et j'entends que Cassé dans mon oreillette? Bon, écoutez, on tranchera avec les statistiques, mais pour le moment, on va quand même mettre Carmine Corbloom, en tout cas, ex aequo. On va peut-être même mettre deux équipes, très sincèrement. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de débat. Par contre, là où il y en a un, c'est le joueur de la semaine, les amis. Et ouais, vous regardez vers le ciel et vous vous en souvenez pas. Vous savez pas. Bah, Yapeng. Yapeng. Oh, mais tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir. Il y a fléchi. Il y a Smolder, 1852 DPM. Il y a plus Kalis que Fléchi, mais ouais, tu peux. Il y a l'Insas. Hein. Oh, mais sur Hiverne, frère, c'est bon. Sur le pervers. Tout le monde peut pas jouer Hiverne. Hein. Triton, demain lance ton live, fais une game de Hiverne en Tchal. Oui, bah frère, c'est bon. Pas en Tchal, en l'OGM. je suis devant toi en LP, tu vas pas attendre. De combien, Robin? 10 LP. Let's go. C'est assez. Attends, il y a qui d'autre? Sixten n'est pas. Après, il y a des jumping qui étaient. Ah, Sixten, le fog. Ouais, mais il y a des jumping. Il y a Bukada.
Il n'y a pas de H. Tu peux ouais, dire Bokada comme un mec normal. Fait une très bonne semaine, je pense. Ouais, Bokada fait une bonne semaine. C'est dur, hein. C'est dur. C'est très, très dur. Mais je sais. Bah, Bokada, Peng, Échec cassé, Caliste, Béchis. En fait, leur game était tellement expéditif qu'il ne peut pas trop y avoir de... Autant, peut y avoir l'équipe de la semaine, mais pas vraiment le joueur. Imo. Je suis un peu de cet avis. Imo. Niveau performance individuelle, il n'y a pas eu besoin de tremper le maillot, je pense, particulièrement. En fait, ils ont tous tellement exterminé. Moi, j'aurais tendance à dire Bokada parce que je pense qu'un peu à l'image de Géo, ils ont eu du mal à se trouver début de split. Il sort d'un MVP Div 2, c'était un peu genre giga attendu. Et je trouve qu'il commence à vraiment prendre ses marques en LFL et il fait une giga bonne semaine. Donc je le mettrai à Bokada pour... C'est le jour de la semaine de l'encouragement, c'est ça? Bah non, mais juste pour lui signifier qu'il fait une semaine de bah, c'est folie. C'est littéralement ça, quoi. C'est, il a les encouragements sur le bulletin et Robas lui dit « Ouais, vas-y, tu vas y arriver. » Mais que Tréton fasse ce genre de commentaire alors que littéralement... Il a reçu deux bulletins dans sa Tréton vie. Tréton va où le vent souffle. Littéralement, Tréton, tu lui présentes le moindre truc... qui peut l'être, il va le sucer, littéralement. Genre, tu as juste à lui présenter. Tu as juste à lui présenter. Je tiens à dire que j'ai voté Gayboard, il a voté cassé. Éloigne ce micro. En équipe de la semaine. Éloigne ce micro. Ce micro ne se présente pas à toi. Il vient de voter cassé, je viens de voter Gayboard, s'il te plaît. Je dis juste les termes. Mais merci beaucoup. Bon, Noah, t'as un petit joueur. Moi, j'ai un joueur, si vous voulez, je commence. Hein, y a pas de problème. Moi, c'est Peng, c'est pas les débuts. Moi, je suis content pour Peng, ouais. Ouais, Peng, bah, moi, c'était Peng, hein. En fait. Juste pour vous donner un peu plus de contexte sur Peng, cette semaine, il a joué deux fois Wei. Donc Wei en back-to-back. Il a un nombre total de morts de 1. Il est mort une fois. Le GOAT. Il est mort une fois. Hier, contre Vita, c'était 5-1-14. Aujourd'hui, contre Met, c'était 4-0-8. Pixel. Non, mais... Tréton, il y a une heure, Dose, Peng, il n'est pas dans le top 3 de la LFL. Oh les gars, cette semaine, Peng, oh vraiment, le GOAT, une mort. Oh putain, tu as fait joueur une bonne de la semaine. Il fait présenter à lui, donc immédiatement. Oh là là. Non, mais, bah, littéralement. Oh là là, il a fait une bonne semaine, il est dans le top 3. Slowly, Tréton, slowly. Twix lui a présenté Peng et Tréton a décidé, littéralement, de sucer. Mais voilà. Nous allons aller voir la rediff, je suis le premier à avoir dit Peng, il l'avait en tête évidemment. Non, mais tu es ridicule. Je n'ai pas les mots. Bon, du coup, Peng, qui gagne? C'est vrai, ouais, Carnage, cette stat? Pas mal, pas mal. C'est vrai que c'était Mathias avec son Smolder MVP en Day 1 pour Game World. Donc, Carnage qui essaie de m'influencer, en fait, c'est parce que Caliste a reçu deux MVP, donc il veut que Caliste soit MVP. C'est entendu, mais c'est refusé, Carnage, malheureusement. Le chat allait voter Caliste. Comment il fait, le chat, pour voter Caliste avec 3 minutes de délai? Ah d'accord, ils sont en train de se mettre d'accord. Ok. Non, il faut le filer à Peng. Oui, non, mais on peut dire Peng. Ça va, Calis, il peut partager un peu. Vous savez que le partage, en vrai, en termes de vote MVP, bon, ce MVP-là ne compte pas. Il compte pas. C'est mais en termes de vote MVP, Peng en a plus que Calis. Bah oui, non, mais c'est pas étonnant. Il fait vraiment un split de zinzin, vraiment. Dans quasiment toutes les victoires, il est. C'est la mais même dans les défaites. Sur 4 victoires sur 6, en fait. Même dans les défaites, il a jamais. Bah, je trouve qu'il a eu des. Il n'a pas eu des bas aussi bas qu'a pu avoir chez Colad, par exemple, cette semaine. Ouais. Chez Colo. Allez, on est d'accord là de chez Colo. Enfin, c'était... Oui, non, mais c'est chez Colo cette semaine. Semaine prochaine, à faire un solo kill. Oh, Chocolat, en interview. Oh, Chocolat, yo, my bro. C'est vrai. C'est vrai. J'assume. Et on clippera, bien sûr, ces instants de diffamation. Et on les montrera. Alors là, mais avec très grand plaisir. Et on lui recommandera de perturber ton stream une nouvelle fois. Avec moins grand plaisir. Il y en a pas mal de live tendancieux à montrer sur ta chaîne. Non, il va me faire ban Twitch, c'est tout ce qui va se passer, mais bon. Oui, bon. C'est bon. Pas grave. Allez, petite discussion pour terminer la semaine, les amis. Deux topics qui s'offrent à nous. Tout d'abord, vous avez vu, on a un petit top 6 assez bien établi. Et bon, on a du mal, en fait, à savoir quelle est l'équipe qui performe le mieux. Et donc, la question que je voulais vous poser à vous, très cher commentateur slash analyste, c'est laquelle la meilleure équipe de LFL? Today. Aujourd'hui, bien sûr, je ne parle pas de demain et tout, qui va remporter la saison. Ce n'est pas comme ça que je l'ai amené. Mais la meilleure équipe de LFL, là, aujourd'hui, Week 6, Day 2. De toute façon, il n'y a que deux propositions possibles. Non. Ah, si. KC, BDS. Ouais, pour moi, c'est BDS. Pourquoi? Parce que les deux équipes sont en première position.
Bah non, parce que c'est les deux qui turbo-stompent à peu près toutes leurs games et qui sont convaincants de la draft à la fin de la game, je trouve. Okay. C'est les plus stables. Autant, on m'aurait demandé il y a deux semaines, j'aurais dit bah, BDS, au moment des LFLZ, j'aurais dit bah, BDS, pour l'instant, ils déçoivent. Pas de Géo. Mais non, c'est pas assez clean. Les games sont très disputés, Géo, à chaque fois. Quand même. Après, j'aurais tendance à dire BDS parce qu'il y a trois semaines, ils ont battu Carmine en LFL Days. Le truc, c'est que la game était super serrée. Donc c'est mitigé quoi, c'est très difficile de les départager, mais peut-être vite fait BDS. Moi j'aurais dit BDS, mais j'ai l'impression que sur ce patch là, il y a plus de lag à faire. Carmine a un meilleur read. Genre BDS, ils vont se faire ban Karma dans les games, et Carmine, j'ai l'impression que là ils vont stick le hiverne jusqu'à ce que ce soit ban, c'est fair. Et qu'ils ont plus sous la semelle. C'est fair. Du coup, je dirais peut-être cassé. Cassé, Charles. BDS, pour moi. C'est ridicule. BDS. Je reste sur BDS. Ouais. Et je pense que même si, effectivement, je suis d'accord hein, que la read de la méta de la cassée est vraiment, vraiment très bonne et qu'il y a eu deux échecs et mat en draft. Après, je me dis que BDS a assez de ressources, joue assez de champions, a assez de postes pour pouvoir s'adapter à ce genre de draft. Et je pense que in-game, d'un chouïa, il serait peut-être un peu meilleur. Mais alors, c'est vraiment au doigt mouillé, quoi. Je pense que le BO1 entre les deux équipes sur ce patch-là, genre semaine prochaine, ça serait vraiment un bon match. Mais je pense que c'est dur de départager les deux. C'est assez dur parce qu'aucune des deux équipes n'est infaillible. Cassé a montré d'un visage très fragile, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Et BDS, le début de saison, était cataclysmique, bien entendu, de leur côté. Donc on sait qu'elles sont atteignables. Mais non, ça se défend. Votre point de vue se défend totalement. Je pense que Géo est encore trop jeune. Et toi, Twix? Et moi? À ton avis? Cassé. Slowly. En leyenda. T'assumes, c'est bien. Bah, j'assume, vraiment. Bah, je pense que c'est aujourd'hui la meilleure équipe. Mais, parce qu'il y a un mais, je pense que Géo monte très très vite. Voilà. C'est mon petit take perso, mais je pense que Géo monte assez vite quand même. Bah, je pense qu'ils ont beaucoup d'instabilité. Mais... Ils ont pris la place de top 3 à BKR sur cette semaine. Ils sont pris. Alors, le top 2 a été. Enfin, BKR était top 1 et s'est fait voler la place par deux équipes. Et Géo est arrivé en top 3. Disons que Géo... Avant, c'était BKR en top 1. Oui, oui. Est-ce que c'est parce que Bukkada passe sa vie à la botlane ou parce que Lotte n'est pas dans une grande forme? Mais pour moi, il y a un petit problème peut-être de la top lane qu'on peut ne pas voir chez d'autres équipes. Mais allez, c'est vraiment pour trouver un défaut. Il y a une semaine, on avait tous le menhir de Lotte en bien boost, sûr, mais cette semaine, elle est... Ah oui, elle mais bon, facile, de... enfin, genre... Tout comme la semaine de chocolat. Hein. Si on prend deux semaines, ça ne fait même pas un BO5 entier. Mais tu demandes tout d'ail. Oui, bah en vrai... Il a raison. Pas aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, mais du coup, il y a quand même deux jusqu'au matchs. Jusqu'au Week 6, Day 2. Ouais, bah... Il y a trois matchs où l'autre, le 1v9, où il est à deux doigts de récupérer un MVP. Hein. Bon, je pense que l'autre, en vrai, c'est surtout Géo font des bons fights en mid-game. Parce qu'on gnare en LFL Days, excusez-moi. Excellent. Mais même là, avec Gwen aujourd'hui, tu vois, il se fait solo kill, mais en mid-game, il est pas... Genre, il fait des bonnes TP flank et tout... Bon, je le trouve ça pas va. Fragile, hein, bien au contraire. Il y a des petites erreurs. Oui. Bah, c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans le débat du top 2, quoi, actuellement. Ainsi soit-il. Un nouveau débat pour conclure cette semaine de compétition. Il est beaucoup plus simple, celui-là. Est-ce que vous êtes plutôt amoureux... Je déconne. Waouh. C'est quelle heure? Ça va. Ouais, ça va. Nouveau champion, les amis. On en a marre des picks broken. Et simplement, on réouvre le débat de la question qu'on a eue avec le CIC. Est-ce qu'on est destiné à systématiquement se taper un mois, deux mois, trois mois, un an même parfois, de champions qui définissent toute la méta en étant monstrueusement broken? Et est-ce qu'on en a pas marre? Cassante, Gwen, Zeri. Smolder, Zeri, Belvette quelque part aussi. Il y a eu un moment quand même assez cringe avec Belvette. Toutes ces Milio, Yumi. Yumi. Ah, tu sais que le rework d'Aatrox, depuis que le champion a été rework. Rework d'Aatrox. Le champion, ça fait 4 rework ans. Rework de Jax. Ah, mais c'est. Azir. Bon, il n'est pas nouveau Azir, mais rework d'Azir avec sur le W et tout machin. Tous ces champions-là, toutes les releases, tout ce qui est frais, tout ce qui est frais systématiquement dans League of Legends est quasiment systématiquement broken, et broken pendant longtemps. Après, ce qu'ils ont... Il y a une interview qui était sortie, ça remonte à saison 11, ouais, je crois. Les 200 années d'expérience d'équilibrage. Non, c'est un mec qui dit... Enfin, je ne sais plus exactement qui de chez Riot, mais qui dit que globalement, ils ne font pas des sorties pour que ce soit nul. Genre, logique, ils vont sortir des trucs nouveaux, innovants, ils veulent que ça vende forcément un peu, et ils veulent que ça soit joué.
Donc ils vont forcément sortir des trucs forts. Le souci, c'est qu'ils ont du mal à doser le fort et le kit overstacké que tu ne peux pas balance. Non, mais le PBE existe. Oui, enfin, si le PBE était un outil utilisé correctement par Riot, je pense que ça serait. Mais normalement, ils ont aussi des panels de joueurs pros qui viennent tester les trucs et équilibrer. Oui, bah, non, mais ils sont avec nous dans la pièce ou pas? Non, parce que joueurs pros ici. Non, parce que je suis pas sûr. Je sais pas en fait. En tout cas, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque aux États-Unis. En Europe, je sais pas. En Californie. Ah, les joueurs pros en Californie, ça devait bien être professionnel. Legalize California, yeah, un traiton. C'est pour ça que t'as les lunettes de soleil maintenant. T'as les yeux rouges, mon cochon. Hein, non, mais je sais pas. Le truc, t'as testé des champions récemment, non? Cassanté, c'est un champion qui doit être dur à équilibrer parce qu'il a une rate de merde en solo queue hors master et hors master plus. Donc je comprends qu'il soit dur à équilibrer. Parce que après, c'est un truc tellement particulier avec Cassanté qu'il faut le mettre de côté. Mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on s'obstinerait à équilibrer le jeu pour la plupart des joueurs et des joueuses qui jouent sous influence? C'est normal, c'est la plus grande. Mais non, mais. Oui, en vrai, ça c'est le débat. Non, c'est la plus grande player base, etc. C'est mais le débat infini, en fait, je suis d'accord. C'est juste que le juge, on peut pas. Ces personnes-là, donc la plèbe, si j'ose dire, que je respecte beaucoup, que j'aime infiniment, mais n'est pas qualifiée, en réalité, pour juger de la viabilité ou de la force d'un champion. Ouais, c'est l'une des métriques les plus importantes, c'est normal, je dois le respecter. Bah, c'est le débat éternel de l'équilibrage par le bas ou par le haut. Moi, on est tous d'accord que vaut mieux équilibrer parce que c'est les pros qui dictent comment se joue le jeu et c'est la façon optimale de jouer le jeu. Et donc, il faut équilibrer pour ces personnes-là et les autres ont qu'à devenir meilleurs. Maintenant, les masters, challengers et grands masters, c'est 1% de la population. Donc, les 99%, c'est eux qui filent du blé. C'est pas les comptes débloqués des streamers. C'est pas eux qui font chier depuis le début. Mais sinon, tu crées un patch tournoi où il y a des... En fait, ils pourraient faire ça. Ils pourraient créer un équilibrage spécial pro. Ils font jamais ça. Non, parce qu'ils veulent que les pros donnent envie aux autres de jouer. Mais évidemment, mais je pense... Le but, c'est d'acheter des skins. Mais tu peux pas avoir un champion qui en elo de tocard à 60% d'une rate et qui en a genre... Enfin, en fait, l'inverse ne pourrait pas marcher, tu vois. Tu vois, la Cassanté peut avoir 55% en pro et être très très fort et avoir 40 en lot, mais si par exemple t'avais un champion qui avait 40 en pro mais qui avait 60% en... je pense qu'il faut distinguer je pense qu'il faut distinguer haut et lot de pro, à mon avis. Je pense que c'est important comme distinction. Oui, après de manière générale, de manière générale, ils ont quand même tendance à faire l'équilibrage en fonction du high apex, ils appellent ça un truc comme ça, et le low elo, quoi. Et donc dans le high apex, quand Akali est sorti et qu'elle pouvait se camoufler sous les tourelles, ils se sont pas dit oh tiens. Oui, non, après, après Akali, tu vois, c'est comme Aatrox actuellement, je pense. Il y a ces persos-là, enfin, globalement, les sorties récentes, donc on va dire les trois dernières années. Ouais. Sorties récentes ou rework, les champions sont soit turbo broken, soit unplayable. Parce que le kit est tellement stacké que. C'est bien vrai, ça. Tu peux. Enfin, il n'y a pas de solution, en fait. Il n'y a pas de solution. Du coup, tu es obligé de refaire un rework ou juste le perso, tu le joues quand il est fort et quand il est faible, c'est. Injouable. Mais pour moi, il y a un exemple qui exprimait un petit peu la stratégie de Riot, un exemple qui m'avait absolument choqué. Par exemple, c'était Shaco. Shaco, il n'avait pas été joué en compétition depuis 10 ans. Sauf qu'il avait reçu un nerf dans un patch sans avoir été joué compétitivement depuis 10 ans. C'est juste parce que des mecs en bronze se faisaient péter le boule par des Shaco et ils se sont dit « on va le nerf ». Et t'es là genre « mais non les gars, le perso pue déjà la merde ». Personne n'y joue, aucun pro n'y joue, aucun joueur. Aucun OTP Shaco le joue. Même. Aucun. Il y a peut-être que Marex, voilà, le dernier des OTP Shaco. Mais c'est-à-dire qu'il y a des équilibrages qui sortent et tu regardes, tu fais. Mais pourquoi? Mais juste pourquoi? C'est comme Z où les assassins vraiment. Je pense qu'on voit de moins en moins d'assassins qui n'ont pas trop de counterplay parce que ça frustre trop. Et juste en pro, tu vois des fils, des Z et tout, ils se font exterminer. Mais en bas elo, à ce qui paraît, ça fonctionne. Quoi. Bah, genre Naafiri, le perso est sorti, c'était vraiment pas mal, mais ils ont dû le nerf. Parce que à Oelo, c'était genre ils ont nerf plus ou moins pour le Oelo et le perso a toujours là actuellement Naafiri, je pense ça doit avoir 54 55 en Oelo et en master tu piques Naafiri littéralement comment enfin challenge ne pas te faire insulter, impossible. Impossible, tu piques Naafiri, impossible. Et en plus quand tu t'appelles Shriek et que tu veux que le champion, double challenge, complètement impossible. Donc voilà, on est Doumet, messieurs, selon vous? J'aime bien en fait parce que ça rafraîchit le jeu. Bien. Bah ouais, ça rafraîchit tout le jeu. Du coup, il y a plein de trucs qui sont OP, donc il y a des champions nouveaux. On devrait demander à Chips comment il aime son équilibrage. Qu'est-ce que t'en penses, Chipsou? Il est là avec sa petite cadette d'eau gazeuse.
Il profite, ouais. il profite du post-show, évidemment, en Leyenda. Non, moi, je pense sincèrement que les choses sont, pourraient être mieux faites et qu'en réalité, il y a beaucoup de trucs de barbares que tu peux vraiment fixer juste si tu connectes deux trucs dans ta tête. En vrai, je peux pas imaginer, excuse-moi, je t'interromps, mais j'ai fini. Je peux pas imaginer que les personnes qui réalisent les champions ne se rendent pas compte à quel point le truc va être fumax. C'est forcément volontaire. Moi, forcément. Je dirais quand même que il y a une tendance de au moins un an où vraiment l'équilibrage est bien. Genre actuellement, je trouve que l'équilibrage du jeu est beaucoup de choses, hein. Est globalement bien. Que ce soit compétitivement ou en solo queue, je pense qu'il y a beaucoup de trucs jouables. Là, les changements sur les items, tu vois. Je trouve que globalement, la saison est bien. Après, il y a quelques aberrations à droite à gauche. On parle des releases, hein, essentiellement. Smolder en fait probablement partie actuellement. Je pense que et l'ajustement qui sort au prochain patch est un buff pour le champ. C'est un peu des anomalies à droite à gauche, mais est-ce que ça doit enlever le fait que récemment, je trouve quand même que c'est plus sur la pente ascendante. Tu vois. Je suis le premier à critiquer, mais je pense quand même que compétitivement, et même sur la solo queue, c'est vraiment bien ces derniers temps. Tu marques un point, parce que dans le passé, on a le souvenir d'époques vraiment sombres, Encensoir Ardent, patch des Juggernauts juste avant les Worlds, Yumi. Honteux. Donc voilà, effectivement. C'est pour le mieux, ça s'améliore, mais c'est pas encore ça. Mais nous sommes un public exigeant, bien sûr, mesdames et messieurs. Il faut qu'on le reste. N'est-ce pas, Tréton? Moi, j'aime bien. J'aime pas Smolder, mais j'aime bien. Mais ça fait de la nouveauté, c'est cool, c'est de la fraîcheur. T'aimes bien ou pas? Ouais. Ouais, t'aimes bien? Ouais. Parce que ça fait 4 fois que tu dis « moi, j'aime bien ». Moi, j'aime bien. J'aime bien. Bon, bah c'est bon. Bah, du coup, mon cher Tréton, t'aimes bien? Bah, j'aime bien la LFL aussi. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé la game TDS, j'aime bien. Passe une bonne soirée, moi. Bah, merci à toi, Tréton, pour cette fin de soirée. Merci, merci beaucoup. Bah, écoutez, mesdames et messieurs, sur ces bonnes paroles, on va terminer cet after show, une semaine relativement légère. Dernier point d'auto-promo, messieurs. Tréton, t'aimes bien? T'as des trucs bien qui arrivent? J'aime bien les subs. Du coup, subez-vous au TP. J'aime bien. Ça, on aime bien aussi. On aime bien. J'aime bien. Robalas, qu'est-ce qui se passe en ce moment de ton côté? J'ai vu que tu flexes pas mal avec avec Aldé et tout. Ouais, bah c'est depuis session normale, mais après non, ça, je me suis fait pas mal insulter par Tréton, Stend et Myrtus. J'aime bien. Oh, oui. À Nice. Mon rêve. Du coup, bah je spam la solo queue. Mais ça va, j'aime bien. Ah, ils t'ont fait de l'elo shaming? J'avais 60% win rate à 200 LP. Ouais. Du coup, j'étais content en arrivant à Nice. J'étais en mode. À ce moment-là, j'étais à une game du GM. Ok. Donc j'étais content, tu vois. Et j'arrive, Myrtus, Tréton et Stend, donc tout le temps dans le top 50 chal, qui m'ont bizarrement, m'ont chié à la gueule pendant une heure de repas. Ils se faisaient que sauter la gueule. Attends, on était en train de parler de nos piquelos, etc. Machin, ça parlait top 10, ça parlait 1500 LP et tout machin. Et t'as Robalas qui littéralement s'invite dans la conversation qu'on est en train de parler et fait: les gars, mon piquelo c'est 200 LP. On était juste au sol, j'ai plus rien. C'est actuellement, j'ai plus drôle. De LP que Tréton. Bah, reste pas à toi, c'est bien, tu t'es motivé. Alors qu'il joue. Barbe. C'est vrai. Et j'aime bien Barbe. Non, mais c'était hilarant. Franchement, c'était hilarant. Et grand respect à Stan Demirtus, méga sûr. Grand respect à vous, messieurs, même si les deux joueurs en question ont perdu aujourd'hui. Tu pourras peut-être leur balancer ça dans la tronche en revenge. Peut-être que être malveillant, ça ne paye pas. Noah, les actus, ça va répondre à la démocratie. Ça va répondre à la démocratie. Eh bien, je te suis dans cette grande besogne, mesdames et messieurs. Donnez la référence parce que Starship Troopers, tout simplement. Ok. Voilà. Très chers amis, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette 6e semaine de LFL. Merci à vous, messieurs, bien sûr, pour la soirée. À Shrik et à Marex également, qui ne sont pas avec nous ce soir, et à Chips, qui nous regarde de manière inquisitrice. Merci aux équipes de production, bien sûr, et à nos 10 équipes compétitives. On vous embrasse, on fait des bisous. Rendez-vous demain en LCK, bien entendu, pour la suite du plus grand League of Legends de la planète, n'en déplaise à la LPL. Et bien entendu, rendez-vous la semaine prochaine, dès mercredi 17h30, pour la suite de la Ligue française. Pas de LEC ce week-end, on vous le rappelle, ça chill. Allez, des bisous, prenez soin de vous. Mais attention à la Div 2 quand même, qui va compenser des choses. Allez, on vous aime, salut.